Et de l'autre côté, on verra. Beau geste là aussi, l'ancien du Canadien, Jacob Delarose, au départ. Bon match à notre antenne, mesdames, messieurs. Cela est mis à part Larkin, Manta et Bertuzzi, pas très menaçant offensivement. Oh, la rondelle échappe à Price derrière le filet. Et De Kaiser reprend, tire, c'est bloqué. Il a tiré le but ensuite, Darren Helm. Alors, première séquence pour ce but des Red Wings. Bob Price de vitesse alors que celui-ci cherchait la rondelle, embêté par Abdul Kader. Très convaincant. Et Armia reprend, tire, c'est le but! Yoel Armia, on ajoute, et c'est l'égalité. On demande au gardien du Canadien qui a le tir le plus sous-estimé. On répond sans équivoque, Yoel Armia. Vous avez vu à quel point il a été en mesure. Regardez, ouverture de hanche pour être en mesure d'éviter le contact avec Christopher N, mais aussi de se positionner de façon favorable à décocher un tir à contre-courant. Voilà De Kaiser avec le tir de la ligne bleue. Le retour revient devant et le but! Quel jeu bizarre! Vraiment! On a hâte de revoir comment tout ça a donné ce deuxième but aux Red Wings. Le filet, c'est Larkin qui est le premier sur cette rondelle pour la pousser. La ramener devant le filet. Price regarde derrière lui. Oh oui. Sherratt ne peut couper la ligne de passe non plus, ou cette rondelle libre qui devient une passe. Bertuzzi est le premier à y toucher. La dépose dans une cage abandonnée. Price est complètement déporté. Suzuki remet derrière le filet. À Domi, à Suzuki, à Petrie. Petrie passe ensuite à Armia. À Petrie. Tire de Petrie. Oh, la rondelle dévie sur un bâton. Et le bâton revient devant le filet. L'arbitre regarde à l'intérieur de la cage. Est-ce que le but est bon? Oui! Et Pierre, un des avantages d'avoir deux angles différents, le tien et le mien, c'est celui-là. Parce que de ton angle, je comprends, impossible d'avoir. Mais regardez, c'est l'angle qu'on avait. On avait un angle parfait. Kincaid, c'est le... passe vers sa droite. Mais c'est une bonne intervention de Cherrod qui empêche la sortie des Wings. Mais ensuite, les Wings s'amènent. Et là, c'est Attanasio qui fonce seul. Le tir! Price, encore une fois, vient sauver son défenseur. Hubert et se démarque de Jeff Petrie parce qu'il a été rejoint en pleine vitesse en territoire central par Darren Helm. Price. Hirose remet à Cholowski. Tir violent de Manta. C'est raté. Hirose s'empare du retour. À Cholowski, à Manta. Un autre tir et le but! Eh bien, cette histoire se poursuit pour Anthony Manta. Et les déboires du Canadien se poursuivent en infériorité. C'est 3-2 des 3. 3 voire 4 tirs sur réception. Se doit de jouer de façon plus serrée. Dans la ligne de tir, Anthony Manta en décocheur à contre-courant lorsqu'il accepte la passe de Chalowski. Le geste fluide du grand gaillard des Red Wings. Partie bon. Supérieure, vous avez vu avec quelle vélocité cette rondelle. Et ça, c'était dangereux. Helm a marqué le premier but du match et a donné le ton à cette rencontre. Et voilà le tir au... L'arrêt de Price sur un tir à bout portant du défenseur suédois Patrick Nemeth. Domi devant Delarose. Et là, ben, le tir de Sherratt est intercepté. Helm est seul. Le tir et Price vient encore corriger un revirement. Kanyemi, effectivement. Alors, content de revenir de l'arrière. Je vais laisser le temps à Ben Sherratt. Je vais lui laisser une période d'adaptation. Mais ses décisions avec la rondelle doivent être meilleures. Dans plusieurs circonstances, particulièrement la ligne bleue adverse. Armia, toujours, remet derrière lui. Et Weber empêche la sortie de Phil Poulard. Mais voilà le tir de loin qui atteint la cible. Et ça, c'est un coup de chance d'un côté et un vrai coup de malchance de l'autre. C'est probablement le but d'assurance qui porte la marque 4 à 2. Ils n'ont pas volé parce que avec leur acharnement, Glendening libère son territoire et réussit même en situation d'urgence un peu à libérer son territoire et trouver le fond du filet. Jonathan Bernier, lui, peut célébrer, bien content. Peut-être le temps d'un tir. Non, ça ne viendra pas. Et plusieurs spectateurs ont déjà quitté. Et ce sera une entrée à domicile décevante pour le Canadien, Marc. Allez!